Je ne suis venu dans le monde que pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Voilà, réponse à Jésus. Et pour Jésus, c'est que vérité, c'est pas une doctrine. Vérité, c'est pas un enseignement. Vérité, c'est pas une idée. Mais vérité, c'est un monde. Mais Jésus-Christ, il est défini déjà. Il est dit, je suis le chemin, la vérité. Il s'agit d'un épisode du Sonatant, comment bon Dieu est défini par Moïse. Je suis qui je suis. Donc, par conséquent, chercher la vérité, c'est chercher à découvrir Jésus qui est présent dans la vie. Vivre dans la vérité, c'est chercher coller davantage sur Jésus. Parce que tout simplement, lui seul est vrai. Lui seul peut nous aider à être vrai. Il fait ça tant au traitement, sans question favorable, sans grâce spéciale que bon Dieu offre nous. Pour non seulement nous capables de vivre dans la vérité, mais pour nous capables de faire la vérité. Faire la vérité avec mon Dieu. Faire la vérité avec l'autre Dieu. Faire la vérité avec nous-mêmes. Si nous sommes capables de dire ça, c'est une épreuve. Faire la vérité, dire la vérité, chercher la vérité. C'est l'opportunité que bon Dieu peut maintenant offrir, non? Pour nous capables d'écouter. Et que c'est ça, Jésus lui-même dit, non?
C'est là qu'a cherché vérité, hein? C'est là qui soit vérité, hein? C'est là qu'a écouté bon Dieu. Écoutez bon Dieu qui s'agit, c'est disposé que nous. Écoutez bon Dieu, c'est chercher à découvrir de chaque événement, de chaque circonstance. Hein? Parce que ce qui est certain, c'est que chaque événement de notre vie porte des empreintes de Dieu. Chaque événement de notre vie, il y a les traces de Dieu. Et par conséquent, ce que le Seigneur nous demande, c'est d'être attentif, c'est d'être vigilant, qu'il soit à comprendre dans sa capacité. Qui j'aime à comprendre dans sa capacité dans la vie existante, qui j'aime à comprendre dans sa capacité dans la société, est-ce que bon Dieu est là? Est-ce que nous le sommes? Qui le sont que nous allons apprendre dans la situation ça? Et qui ça que la tire? Au lieu de rester dans les lamentations, pourquoi ne pas s'ouvrir à Dieu? Pourquoi ne pas ouvrir un autre chemin? Parce que pour le croyant, tout est encore possible. C'est ce que disait déjà le Saint Paul VI. Ce qui nous reste à vivre est plus important que ce que nous avons vécu. Il ajoutait, l'Église avance à travers les persécutions du monde et les consolations de Dieu. Et c'est ça qui est important. Chercher les consolations de Dieu. Chercher à découvrir comment notre expérience que l'on a faite, bon Dieu est là. Bon Dieu est présent. Vous savez que Noël consigne que l'éveil depuis le commencement et qui lui est marqué dans que nom. Tu aimeras le Seigneur Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Adorer Dieu, c'est le mettre avant toutes choses. Adorer Dieu, c'est le rendre hommage jusqu'au nom de sa vie. Il a cherché à évaluer nos visions et pour le fait d'évaluation, son seule question était posée. Est-ce qu'il a cherché bon Dieu? Et qui bon Dieu l'a cherché? Et c'est ça qui est important pour nous aujourd'hui. Hein? Est-ce que l'a cherché bon Dieu? Et qui bon Dieu? Première lecture de l'histoire, trois jeunes salles. Que roi fait jeter dans le bouquin de fait. Il n'est pas une chanson parce que t'es vrai, que t'es adoré, Dieu va bien. Et trois jeunes salles, t'es refusé. Mais t'es refusé, cadeau, roi, t'es offrir la belle la vie. Si on adore Dieu va bien. Et chaque à Dinago, il est refusé comme ça. Il est préféré louer mon Dieu gratuitement. Au lieu de récompensant qu'à sortir dans mes voisins. Il préféré aller juste en boutant. Et c'est ça. Il y a deux cadeaux qu'on a refusés. Il y a des cadeaux qu'au moment, son ventre a payé pour vous. Parce que pendant le péché, vous parlez par voilà. Vraiment, avec l'autre situation, vous n'avez pas besoin de sortir là-dedans.
refuser certains cadeaux. Des cadeaux empoisonnés, des cadeaux qui vous détruisent, qui vous enlèvent la liberté. Rabbi, devant ce grand, je suis montré dans ça. Dans votre béatitude, non, si vous regardez bien, si vous réfléchissez bien, nous avons la première béatitude, non, de commencer par la pauvreté. Heureux les pauvres en esprit. La pauvreté, c'est la porte d'entrée du bonheur. Et c'est dans ce sens-là que nous devons faire preuve de prudence, faire preuve de vigilance pour refuser certains cadeaux et les conséquences de ces cadeaux. Que l'Esprit mon Dieu, je tiens, habite dans nous, et surtout que la prière ça, aide-nous